Bonsoir les gens, c'est Aiden et on se retrouve aujourd'hui pour la suite des DLC de Castlevania Lords of Shadow. Dans l'épisode précédent, Laura nous avait appelé depuis la terre des Nécronomans anciens en nous demandant de revenir au château. Ce que nous avons fait, elle nous a ensuite expliqué que en tuant les trois seigneurs de l'ombre, nous avons libéré un mal encore plus grand qui est un démon nommé l'oublié. Du coup, nous avons emprunté un passage secret qui était caché sous un échiquier géant. Et nous sommes ensuite arrivés dans un endroit où il y avait où on s'est fait dévorer par des bébés léviathans, mais nous en sommes ressortis d'une manière dont je ne préfère ne pas parler. Et du coup, nous arrivons dans le quartier des fondateurs. She is a lost soul, a child whose innocence was cruelly taken from her. What kind of god could allow such things to happen? Innocent children turned into monsters. I thought then I could save her. Show her some kindness that might mean something to her. What a fool I was. Just like the three Brotherhood founders, we were all betrayed. I feel a sense of pity for them now. I have traveled that road that they first set out upon, and I have become that which they became. I am darkness. I am shadow. Et ben voilà. Je pensais qu'il y avait un petit dialogue entre Laura et Gabriel, mais non. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce canapé. Ah, on peut pas s'asseoir dessus, ouais, du coup. Du coup, ça dégage. Il n'existe plus. C'est bizarre, ça. Tu veux dire qu'il a été détruit? I sense a powerful magic in this clock. Mother said there was a way to turn back time with this machine. Ouais, tu sais, une machine à remonter dans le temps, hein. On a bien eu une machine qui contrôlait la lune et le soleil, donc moi je dis pourquoi pas. C'est quoi ça? Rien ne se passe, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais marche pas dessus, Laura, qu'est-ce que tu fais? Bon. Attends, non, non. Comment on fait dans l'autre sens comme ça? Mais j'ai pas fini, hein? Compliqué. Ouais. Pas trop. Non, non. Là, c'est pas trop mal et comme ça. Ah voilà. Voilà, pas de canapé. Ah ah, encore un doigt de Frankenstein. Ah, mais c'est pour voir, hein. Sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Qu'est-ce que c'est. Oh. Bon, de toute façon, il y a un moyen très simple de s'en débarrasser. Non, mais. Vise-les au moins. Voilà. Allez. Allez. Voilà. 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 Et voilà. I will not go into the chapel. I'll wait here. Ah oui, bah oui, je comprends, je comprends. Oula. Non. Donne-moi ça. Assez, tu es mort. Tu n'as plus besoin de ça. Voilà. Pas non plus déconner. Hein.
Ah, évidemment. Allez, amène-toi. Ah, c'est pas vrai. Ah, j'ai paré. Oh putain, je crois que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué au jeu. Voilà. Non mais... pas non plus. Faut arrêter. Voilà. On explose. Ça c'est sympa. Ça j'apprécie. Voilà. Voilà, voilà. Tac tac tac. Ah non, oui, peut-être vivre. Le machin m'a l'air légèrement défoncé, mais ouais, ça marche. We have gone back in time. The top floor of the tower should be there now. D'accord, d'accord. C'est quand même encore sacrément défoncé. Attends, il y avait tout ça qui n'existait plus? Grosse Pokéball. Je suis le dernier des chevaliers à avoir fait le serment de protéger le portail. Et à présent, au crépuscule de ma vie, je devine que mon devoir s'achèvera bientôt. La dernière chose que je ferai en tant que frère de la lumière sera de décrire le processus d'ouverture du portail afin de transmettre notre héritage à un autre chevalier. En fait, c'est très simple. Il faut les trois orbes de sang des fondateurs de la confrérie qui se trouvent à l'intérieur de cette tour. Une fois aux mains de l'élu, le sang doit être répandu dans les réceptacles placés au fond du mécanisme. D'accord, d'accord. Pousse-toi. Très bien. Bon. Du coup, il n'y a plus qu'à descendre. Et pousse-toi, Laurent. Here are the shrines of the three founders of your order. Mm-hmm. Très bien, très bien. Ah, Cornell, the youngest of the founders. His overconfidence blinded him to the threat that you represented until it was too late. Bien pour ça qu'il est mort. Ah, qu'est-ce que tu fais? À 3, waouh. Eh bah ouais, voilà, allez. Voilà. Voilà, ça fond. Voilà. Là on parle. Qu'est-ce que c'est ce mécanisme? Ça nous fait perdre beaucoup de temps. Attends, déjà toi je t'ai vu. Je cherchais près des quartiers des fondateurs lorsque je suis tombé sur une note mystérieuse laissée par la reine noire des vampires et traitant de ce lieu.
La porte du centre de Cornell s'ouvrira seulement lorsqu'une de mes marionnettes se tiendra au centre de l'échiquier. J'imagine que cela a à voir avec cet affreux sortilège du marionnettiste, l'infâme sorcellerie que le Seigneur Noir utilisait pour contrôler les armes et les poupées de chiffon. D'accord. Oh, oh. J'ai bientôt tous mes Pokémon, moi. Quand les gens pourront bouger ce bloc, d'accord, on peut bouger. I want to play too. What fun! Oh, oh, see if you are able to put the toy into the center of the board. D'accord. Mais si tu pouvais invoquer ça depuis tout ce temps, t'aurais pas pu l'utiliser contre les ghouls, trucs comme ça, je sais pas. Et puis là, je peux pas rien faire. Donc tu pourras pas directement le faire spawner sur le. Sur le centre. Bon, du coup, forcément, faut bouger cette chose. Ce pilier. Après le bouger, c'est. Où est-ce qu'il faudrait le mettre? Attends. La poupée elle commence ici. Je peux faire tac. Parce que bah, de toute façon, j'ai un peu que ça qu'à faire. Donc tac. 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 Après, il y a plusieurs chemins. Parce que si je fais ça. Tac, tac, tac. Je peux ramener le pilier ici normalement. Si je fais ça, ouais, je peux le ramener ici. Du coup, c'est à peu près là, mais après, c'est échec et mat aussi. Ah non! Après, il revient là. Là, là, ouais, non, mais en fait, ça sert pas à grand chose. Après, je fais tac. Tac. Parce que là, c'est le pilier. Tac. Ah, mais ça passe! Ah, mais ça passe totalement, en fait! Attends, laisse-moi monter! Là. Ah oui, je fais n'importe quoi. Ah non, mais du coup c'est nickel. Du coup c'est nickel. Et il y a même plus rapide. Hop, hop. 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 Et voilà. There's Cornell's blood. Rien de compliqué. Oui, ouais. Allez, hop. Allez, zou. Voilà. Soyez purgés. Non, je vais l'achever. Vas-y, t'es méchante, Laura. On ne mange pas son ami. Et j'ai récupéré un cristal. Ça c'est cool. Pardon. Voilà, s'il vous plaît. On se repent. Vous êtes dans un lieu sain. Merci. Merci, merci. Et ces bougies qui sont automatiques, hein. Ça, c'est incroyable. Hop là. Bah, oh, tu peux pas sauter au-dessus. Bah alors. Alors, on a récupéré le sang de Cornell. On récupère un peu de magie. Là, ça va être délicieuse Carmilla. I didn't get to know your human past. Ça, c'est la délicieuse Carmilla. Some part of it still existed in the creature that I called mother, and I still envy you for that. Oh,
Oh. Il va me faire attaquer, hein. Laura, can you cross to the other side and look for Camilla's blood? Ah. Pas cool ça. Allez, hop, hop, hop. Bon, je suppose que ça va être un peu la merde. More blood must be offered, but I feel too weak. Ah, mais tu peux encore en offrir, qu'est-ce que tu dis? I cannot give more blood without fainting. Arrêtez de nous poursuivre. Laissez-moi juste vous électrocuter. Ouh, du bon sang. Non. Oui. Heureusement que les ghouls me laissent prendre leur pas. Voilà, c'est bon, lâche-le. Allez. Vas-y, balance tout. Vas-y, vas-y. Ah bah voilà. Got it. I have Camilla's blood. Allez, salut les ghouls, à la prochaine. Voilà. Et bien, du coup, plus que. At the end, the sage Zobek was only a pawn in the hands of Satan. But still, if you had known, would you have killed him when you had the chance, Gabriel? Oui. Faut quand même pas déconner. Ah. Allez, voilà, c'est faible, voilà. Esquive, voilà. Est-ce qu'on peut parer? Mes questions, ça, est-ce qu'on peut parer? Ah, il faudrait que je prenne une magie. Une bleue, une rouge. Ah non, les deux rouges, très bien. Ah, pour le coup, c'est le pif total. Enfin, le pif. Pas hyper compliqué, il y en a que deux. Oh, encore un frère de la confrérie qui est mort. La confrérie m'a donné une carte des quartiers des fondateurs et a même indiqué dessus l'emplacement des trois orbes de sang. Pourtant, leur aide s'est révélée inutile. Car les seigneurs noirs ont modifié la configuration de ce lieu et ont installé des pièges mortels afin de protéger les orbes. Cette zone en particulier est devenue un labyrinthe déroutant de portails et de plateformes mobiles. Je crois que ce monolithe fonctionne comme une sorte de clé et peut être utilisé pour gagner l'accès à l'orbe de sang de Zobek. Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Oh, labyrinthe. J'ai vu pire. Allez, Bartholomite. I think that you can activate those buttons using your gauntlet. Oui, de toute façon, dans ce jeu, t'actives tout avec le gauntlet, donc bon. Allons-y. Est-ce que c'est utile de faire ça? Ça n'a pas vraiment l'air. Je peux pas faire grand chose là. Ah si, voilà un truc intéressant à faire. Voilà. Voilà. Oula, qu'est-ce que tu fais?
Attends, y'a un truc là-bas. Très bien. Bah alors. Hop. Non, là, côté là. Ah oui, d'accord. Et maintenant, voilà, c'est pour ça. Hop. Attends, mais ça m'aide pas vraiment là, je peux rien faire. Ah merde. En fait, c'est pas là. Et vous, j'étais chaud là, mais en fait. Mais ça sert pas à grand chose d'aller là. Et on voit. Ah oui, non, c'est bon. En fait, oui, non, en fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'avais pas capté qu'il fallait passer par le portail là en fait. Oui, donc c'est bon, allez hop. Hop. Oula. Ah, à côté. Voilà. Ah bah voilà, allez hop, emballé, c'est pesé. Ah, ah, le côté. Well done, we have Zobek's blood. Eh oui. Avec un petit peu de galère, mais ça va. Rien de bien compliqué. Cette musique. La bande son du jeu est quand même sacrément je dirais pas orgasmique, mais pas loin, pas loin. Ah, encore une énigme, très bien. Oula, 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 oula. Ouais, ok, c'est plein de trucs bizarres. Plein de trucs bizarres, mon dieu. Non, je fais n'importe quoi. Non, 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 mais c'est pas ce qu'il veut faire. Y'a rien d'utile là. Ah si, ça c'est pas mal ça. Verser du sang.
Ouais. Pire, sinon, tu sais, tu pouvais directement verser dans les tasses en bas, hein, tu sais. Peut-être t'étais plus rapide et moins chiant. Hein. Hop. Bah alors. Ah non. Attends. Merde. Tout aussi problématique là. C'est pas bien compliqué. Portal is open. I will go in. You stay here. Wait! You will die! The other side is no place for humans. Only dark beings can survive there. There is darkness in me. Yes, but there is also love, compassion, and tenderness. You must leave it all behind. You must become a creature like me. Drink my blood. Its power can protect you once you get to the other side. I'm sorry, you have no choice. I know. I never did. Allez, à table. Blood is running through your veins. It is a powerful poison that will soon kill you. You must keep drinking from me. What? No. My blood must completely replace yours. You must continue to the last drop. Many lifetimes I have lived, many I have killed. All my power will be yours now. No. Laura, please. Do it now, or you will die. Free me from this miserable existence. I beg you. Free me. I
C'est à ton tour maintenant. L'oublier. Bon, et ben c'est ainsi que s'achève le premier DLC de Castlevania Lords of Shadow. On va donc s'arrêter ici. Et ben du coup, on se retrouvera très prochainement pour le prochain DLC. Je vous dis donc, à la prochaine.